Nicole Coste fait une petite mise au point. Marié depuis 10 ans à Charlène de Monaco, le prince Albert II n'a pas toujours eu la vie de souverain rangé qu'on lui connaît aujourd'hui. Longtemps connu pour ses relations intimes, notamment avec des mannequins, il est le père de deux enfants nés hors mariage, qui ne figurent pas dans l'ordre de succession au trône de Monaco, à l'instar des jumeaux Jacques et Gabriella, Jasmine Grace et Alexandre. De ce fait, si est-il comme des enfants illégitimes que sont dépeints les deux premiers enfants d'Albert de Monaco, nés respectivement en 1992 et 2003. Pourtant il n'est né rien, notamment dans le cas d'Alexandre et Coste Grimaldi, comme sa mère Nicole a tenu à le préciser. Il est né d'un amour et reconnu, donc voulu par Dieu, lance ainsi l'hôtesse de l'air d'origine togolaise, qui explique qu'avant de tomber enceinte, elle avait connu une relation de 5 ans avec le prince Albert, soit suffisamment de temps pour qu'il ait une confiance mutuelle. Continuer de dire ou d'écrire que notre fils est un enfant illégitime est incorrect et insultant, lâche fermement Nicole Coste dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 2 septembre, qui affirme que lorsqu'Alexandre est né, ni elle, ni Albert II n'étaient mariés à une autre personne. Alexandre est né 2 ans avant que ne commence l'idylle entre son père et Charlène en décembre 2005, a-t-elle précisé, ajoutant tenir à le souligner, car ce doute a permis à la presse de continuer de faire croire que son fils était illégitime. Alexandre Coste est-il proche de ses sœurs et de son frère? Élevé dans l'ombre, Alexandre Coste Grimaldi n'est pas moins proche de son père qu'il côtoie régulièrement à Monaco, mais aussi de sa sœur Jasmine. Cette dernière lui avait d'ailleurs réservé une belle surprise pour son anniversaire en août dernier, alors qu'il fêtait ses 18 ans, en l'emmenant voir un film dans un cinéma en plein air. Et s'il a une grande différence d'âge avec Jacques et Gabriella, il se trouve que le jeune homme ne manque jamais de jouer joyeusement avec eux quand il les voit, assure sa mère.